Dieu bénisse. Il y a des gens qui continuent à sentir qu'ils doivent partir parce que lui veut monter. Dieu est compliqué. Nous, on avait dit à 16h, mais Dieu le voit monter à 7h. Il sait. C'est le premier jour de la deuxième semaine. Je sens que ça commence à très prophétiquement. Et c'est la prophétie. Hein, précède toujours le miracle. Marabashanda. Voilà, il va monter. Makababa Shekeya Baba Sanda. Rabo Shekeya Baba Sanda. Mikeya Baba Shekeya Baba Sanda. Parce que Gédéon Yengelengue Angalie au fond de la poupée. Ces jours-là, en lisant ce passage, j'ai compris que Dieu est esprit, mais il consomme aussi des choses physiques. Amen. Et aujourd'hui, des problèmes sont aussi physiques. Amen. Que Dieu les enfale, les consomme. Amen. J'aime une appellation à Chimouba. Alors c'est ma mienne d'ailleurs. Et je vous dis une mienne. Il y a un nom comme ça, nous chantons. Il y a un, hein? Moura. Quand je m'en ai mis en derrière, il y a un bantou. Tu vois, quand je m'en ai mis en derrière, quand je m'en ai mis en derrière, il y a un bantou. Attends, champion. Vous vous rappelez de ces chants de Calamayon? Quand je m'en ai mis en derrière, il y a un bantou. Attends, champion. Donc, quand je m'en ai mis en derrière, il y a un bantou. C'est lui qui, ce n'est pas celui qui mange, c'est celui qui consomme les problèmes des hommes. Amen. Tout le monde vous dit vous maintenant. Vous parce que c'est toi qui m'as appelé, qui m'a ouvert, mais qui m'a établi serviteur. Ange et ton œuvre ici, à Ephrata et Robot, sous l'alliance de ton serviteur, Raphaël la vôtre. Tu es le Dieu d'alliance. Ta fidélité dure à toujours. Et de Jacob, le sang d'Israël, Dieu des prophètes et des apôtres, aujourd'hui Dieu de l'évangéliste Paul Loambo, tu es aussi mon Dieu. Ce soir, moi je ne fais que te rendre grâce parce que Dieu, tu ne m'as jamais menti, jamais abandonné. Tu ne m'as jamais déçu parce que moi je t'appelle Monsieur Raison. Oh Yahweh, je te rends grâce parce que je sais que tu consommeras tous nos problèmes ce soir. N'existeront plus parce que tu vas tous les avaler un après l'autre. Je vois toute l'église encerclée par un fil, liée dans un seul fil. Et je vois une main avec une machette qui vient et qui descend en train de couper le fil. Et tout le monde est sorti de ce cercle. Et nous étions libérés. L'Éternel me dit, ce soir, j'honorerai mes serviteurs. Je donnerai mon alliance avec eux. Je donnerai ma parole. Je donnerai ma fidélité. Je vais délivrer le peuple. Je vais vous faire sortir des problèmes. Je vais vous faire quitter dans des combats. Je vais vous faire oublier des situations désastreuses qui vous ont fait pleurer longtemps. Aujourd'hui, c'est mon jour de délivrance. C'est mon jour de libération. C'est mon jour où je vais me glorifier. C'est mon jour où vous verrez. Ma délivrance au milieu de vous. Ainsi me dit l'Éternel Dieu des armées. Père, j'ai de la grâce. Ton serviteur est là pour nous laisser. Avec nous, l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
ici. En santé, en santé. Franchement, vous avez un très bon pasteur ici. Amen, amen, amen. Je n'ai pas l'habitude de flatter les gens. Vous n'avez pas simplement un prédicateur, mais un papa qui vous aime. Vraiment votre papa. On peut acclamer le Seigneur. Il ne respire qu'au rythme de votre bénédiction. Il vous aime tellement. Depuis mon premier jour aussi dans cette ville, il m'a dit, évangéliste, j'aime tellement ce peuple au point que je me sacrifie à Dieu pour eux. Franchement, vous avez un bon pasteur. Est-ce que tu peux dire avec foi, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. De nous avoir donné ton serviteur. De nous avoir donné ton serviteur. Comme une offrande pour notre bénédiction. Comme une offrande pour notre bénédiction. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vous invite à lire quelques portions. Nous sommes dans Genèse 21. Versets 1 à 2. Nous sautons, nous lisons le verset 9. Qu'est-ce que je dis? Genèse chapitre 21, verset 1 à 2. Genèse chapitre 21, verset 1 à 2. Nous sautons, nous lisons 5 jusqu'à 14. Merci. Je ne serai pas obligé de tout lire, mais je vais lire quelques versets, on va expliquer l'histoire. Okay? Amen. Amen. Genèse, verset 1 à 2, quand j'ai lu ces deux premiers versets, vous pouvez reprendre votre place. D'accord. Verset 1 à 2. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Et elle enfanta un fils dans Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. On peut reprendre en place. Merci. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui était né et que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours. Comme Dieu le lui avait ordonné. Nous lisons le verset 5. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Verset 8. L'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un festin. Les jours où Isaac fut sévré, Sarah vit rire le fils d'Agar, l'égyptienne. Avait enfanté Abraham. Verset 14 pour terminer. Abraham se leva des bons matins. Tu peux souligner des bons matins. Il prit du pain et de l'outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule et lui remit aussi l'enfant et la renvoya s'en alla. Et se gara dans le désert de Bercheba. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et je demande au Saint-Esprit de donner une explication nécessaire à cette parole. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette deuxième semaine qui s'annonce très très prophétique. Et nous nécessairement assez de remercier l'homme de Dieu pour l'hospitalité. Ainsi que tous les héros dans l'ombre. Que Dieu vous bénisse à mon nom. Amen. 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 Libère ton Ismaël. Atiria Ismaël Wako. C'est ça le sous-thème de ce soir. Libère ton Ismaël. Atiria Ismaël Wako. C'est qui Ismaël? Ismaël Minani Mupendwa. Pourquoi le libérer? Tu as dit pas matiria pas te pourquoi ne pas le garder?
C'est autour de ces questions que nous allons réfléchir pendant quelques minutes et nous allons prier. Na kupitia hii maulizo tutenda kuwaza na kicha tutenda maombi. Trois catégories de personnes à qui s'adresse ce message. Sehemu ya tatu, bantu tatu ile naangalia ujumbe mahali yale. Première catégorie, sehemu ya watu wa kwanza, c'est aux hommes et aux femmes, inapali kwa mama na kwa baba, qui étouffent les vrais eux. Na bale beko na jishimisha, beko na funga, kile kinakuwa pobe nyeo. Ils étouffent l'action de Dieu en eux. Bana funga tendo ya Mungu ndani mwa. À cause de la présence des Ismaël. Amen. Que nous aurons à comprendre tout à l'heure. Deuxième catégorie à qui s'adresse ce message, c'est aux hommes et aux femmes indécis. Ni pale ba mama na ba papa ba gashiko pe ba mpango. Indécis. Gashiko pe ba mpango. Qui ont l'incapacité de se décider. Et je vais te montrer par cet enseignement que l'incapacité de vous décider, à un certain moment, ça ouvre aussi la porte au démon de l'indécision. Il de je vois qu'un homme de Dieu lâcher les paroles prophétiques ici. J'observe l'auditoire. Il y a certaines personnes qui sentent que c'est Dieu qui parle en sa faveur. Mais il est bloqué au niveau de la décision. Il ne parvient pas à mettre la main dans la poche. Dans le sac. Pour aller offrir. Il a pris à toi. Amen. Amen. Et l'offrande, ce n'est pas seulement l'argent. La sadara, il n'a pas tapé sa part. J'ai déjà vu dans des réunions pareilles. Mais ça, quoi, moi, je l'ai fait en 96. Mais il était là qu'en 96. Alors que Moussa Aïdine, il prêchait comme ça. Il est ça, Moussa Aïdine, après qu'on a oublié. Et nous, on s'est converti à Fepakon Zambemala. C'était son dernier voyage à Kisangani. Il dit quoi, ça fait qu'il a bouché pour le Kisangani. Quand il est revenu, il va. Rentrer à la gloire du Père en Afrique du Sud. Prêcher comme ça, pauvre étudiant que j'étais à l'époque, j'étais touché par la prédication. J'ai fait mes chaussures, j'ai fait ma montre, ma ceinture. J'étais comme un petit fou. Tout le monde s'est moqué de moi, mais je savais ce que je cherchais. Je suis allé déposer devant Moïse. Il n'avait pas de longue prière. Particulière de guérison et de puissance. Certaines choses, je les vois déjà. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. N'arrêtez pas de vous décider. J'ai vu même un jour en Bujima et les gens quittaient l'église, rentraient à la maison pour prendre des offrandes, pour venir sceller à la parole prophétique l'homme de Dieu. Pasteur, attendez-moi. Et Dieu a basculé les destinées. Amen. C'est qui Ismaël? Ismaël, il a le pendo. Ça peut être une semence que tu dois libérer. Il n'est pas le bec au moins de la pâche à partir. Ça peut être une décision que tu peux prendre. Il n'est pas au pauvre de notre coucou. Nous allons le comprendre tout à l'heure. Troisième catégorie de personnes à qui s'adresse ce message. C'est aux hommes et aux femmes. Il n'a pas le papa, mais la papa. Ignorants, mais qui s'ignorent, qui sont ignorants. L'ignorant le plus dangereux, c'est l'ignorant qui s'ignore qu'il est ignorant. Ah oui, Dieu.
Et la Bible dit dans Osée 4 et 6, na Bible est en train d'Osée 4. Ils peuvent repérer parce qu'il leur manque la connaissance. Non d'abord à cause des démons des sorciers. Mais parce qu'il leur manque la connaissance. Mais si tu remontes dans l'original en hébreu, ce texte dit ceci. Osée 4 et 6. Le peuple qui se réclame de Yahweh n'a pas la qualité de vie qu'il devait avoir parce qu'il leur manque la qualité et la quantité de l'information nécessaire. Amen. Amen. La qualité et la quantité de l'information que vous possédez influencera positivement ou négativement votre destinée. Nous sommes dans la révolution du savoir. Tout va vite maintenant. C'est le siècle de la vitesse. Plus tu es informé suffisamment en qualité et en quantité dans un domaine, plus tu vas dominer les autres. Allô? Allô? Dis à ton voisin, cherchons la connaissance. Cherchons la connaissance. Amen. Le samedi, j'ai parlé avec des pasteurs. J'ai dit, c'est pas sérieux d'évoluer dans un domaine pendant plus de 10 ans et que tu n'es pas formé. Tu continues toujours à tâtonner, tu es un amateur, tu n'es pas sérieux en toi-même. Tu attends quelqu'un dire amen. Amen. Tu dois chercher la connaissance. C'est important, bien-aimé. Il y a deux vérités qui se cachent. Quand nous disons libère ton Ismaël, première vérité, c'est une action qui commence de l'intérieur à l'extérieur. Mes amis, la délivrance commence par soi-même. Nous pouvons vous dire tous les enseignements possibles. Vous imposez les mains chaque jour. Versez de l'huile d'onction chaque jour. Faire des déclarations prophétiques. Mais la plus grande délivrance va de l'intérieur à l'extérieur. Amen. 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 Très important. Deuxième vérité qui se cache quand nous disons libère ton Ismaël. On ne libère pas parce que l'on veut, mais on libère parce que l'on doit libérer. Il y a certaines choses que tu dois libérer dans ta vie, non parce que tu veux le libérer. Mais tu dois le libérer. Je le libère. Il faut que je le libère. Je le libère. Et je dois le libérer. C'est pas parce que je veux. Parce que Ismaël, on se libère pas de lui dans la joie. Parce que Ismaël, Allô. Allô. Ismaël, on ne le libère pas dans la joie. Ah ouais, tu vas tirer pas. Et le jour où tu vas libérer Ismaël, la chute que tu vas tirer la porte, tu ne seras jamais dans la joie. Ah ouais, tu as quoi qu'à c'est pour ton bien. Na qui tu as quoi même à amen. Amen. Il y a certaines semences que nous apportons à Dieu. On a pris avant même qu'on ait pu aller terre mungu. Tu pleures. On a dit. Amen. Mais après quelques temps, ça va produire un résultat. J'imagine un jour, on était avec Papa Didier. Il m'a dit, un jour, on était avec le pasteur. On cherchait $100. Mais dans ma maison, je n'avais que ces $100. Il ne va pas aller les $100. Le pasteur a dit, où est-ce qu'on va trouver ces $100? C'était un dossier. À l'époque-là, tout ce qu'il avait comme réserve, $100. Il ne va pas aller les $100. Mais il se battait dans son cœur. Parce que Ismaël, on ne le libère pas dans la joie. Parce que Ismaël, on le libère pas dans la joie. Ça est. Que je donne ou quoi? Ni pelette ou à la panne. Mais c'est tout ce que j'ai. Il a dit, tu es tout
Tellement il a vu le maire du pasteur était tellement attristé. Alors on a mis la main sur les yeux de cet enfant. T'as tué les pèses. Comme il est un enfant loyal, il a dit à son pasteur. Rappelez comme toi, Moamini, il fallait faire quoi, papa? Je l'ai 100 dollars. Papa, mais c'est tout ce que j'ai. Dieu te n'a pas l'air. Ma sœur a dit. Tu vas te la faire. Va vite, va vite. Donne-moi ces 100 dollars. Il va tirer les 100 dollars. On va te remettre. Or son père savait Baba, qu'il ne remettra pas. Mais c'est pour sa bénédiction. Vous voyez, on a... Et lui-même a témoigné. Si je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Parmi les semences qui ont changé ma vie. C'est ces 100 dollars là. Que papa n'a jamais remis. Il est Baba, mais il m'a béni. J'ai compris que ces paroles prophétiques sont bonnes. Il a pas dit ça. Dis à ton voisin. Tu as un Ismaël à libérer. Tu as un Ismaël à libérer. Amen. Je vais poser deux fondements avant d'aller plus loin. Premier fondement, c'est que 80% des miracles bibliques ont été provoqués par des hommes et des femmes. Mais vous savez, 80%, il y a Mitiza. Dans la Bible, il est choqué dans la bande comme il se trouve dans la app. Ça n'a pas été prévu. Lisez les évangiles. Nous sommes maman. Matthieu, Marc, Luc, et Jean. Tu verras que la plupart des miracles qui s'opéraient, c'était provoqué par des hommes et des femmes. Il choqué dans la bande dans la maman. En physique, on dit à toute action, il y a une réaction. Dans mon physique, on a dit à pas réaction. Donc, si tu n'agis pas, quand on va au il n'y a aucune réaction. Après, la quitte, moi, tu as fait la thérapie. Amen. Si nous avons des lampes qui s'allument, on a actionné les moteurs. Mais quand on clique les contacts, la tête, nous sommes dans l'obscurité. J'attends quelqu'un dire amen. Amen. Tu dois provoquer les choses. On n'a pas ça pour ta vie. Voilà pourquoi hier on a parlé de pousser. J'ai prié, prie encore. On a homme, j'ai enchaîné, j'aime encore. Consacré. Surtout lorsque tu aspires à un ministère puissant. Ça y est, tu dois élever le niveau de ta consécration. Tu t'es consacré à Dieu. Pousse encore dans la consécration. Tu auras un ministère puissant. Tu parleras, il y aura des effets. Amen. Hier quand on a quitté ici, nous allons c'est papa Michel. Un frère était touché par il était malade, il souffrait des AVC. Le Seigneur l'a guéri. J'ai béni le Seigneur quand j'ai écouté ce témoignage. Pourquoi? Il a approché l'église avec une attitude. J'entends quelqu'un dire amen, très bien. Amen. Apprends, provoquer. La joie ou chocosa. Tu peux manquer l'argent. On est quand ta peste. Tu peux avoir quelque chose. Là, qui met pas la clim en foulard. Tu peux être là comme un Ismaël. Il n'est pas parlé comme Ismaël. Deuxième fondement que j'allais poser. Mais si il y a plus de pas chapeau et catéla. 60 à 70% des problèmes qui nous dérangent, la cause c'est nous-mêmes. 60%, il y a malheureux pour nous tous, ça va vous chibénier, vous êtes tous dans notre cause, chibénier. Amen. Amen. 60 à 70%. Ça fait presque 20-21 ans que je prêche la délivrance. 21 ans, nous avons oublié, vous avez dit, vous formulez vous. Avec toutes les consultations qu'on a eu à faire. Qu'à un certain moment, la délivrance prend la dimension de traitement de l'âme de la personne. Maintenant, tu es devant le pasteur qui est comme un médecin et toi, tu es là comme un patient. On est en train de te curer, soit de te poser des questions par rapport à votre vie. Amen. Amen. Lâche la défense par la dimension du traitement de l'âme. Ça, ça parle au fond de la Bible, il y a tout à obtenir, ça mourir en âge. Alors 80% des gens que j'ai à consulter, na 80% pas pourquoi tu l'as soumis à l'âme.
la majorité des problèmes qui compliquent leur vie, ça vient d'eux-mêmes. Il a pas à quoi vous revenir. Amen. Amen. Voilà pourquoi la repentance est la clé de la délivrance. Nous pouvons vous donner tous les enseignements ici. La racine principale de la délivrance, c'est la repentance. Tu confesses et tu arrêtes. Amen. Amen. Je sais qu'il n'y aura pas d'assez d'amen ici. Je te dis que Ismaël, on ne le libère pas dans la joie. Ah oui, Dio. On ne le libère jamais dans la joie. C'est quelque chose que tu es en train de te séparer avec. Ni qui qui l'a qui t'aime dans la. Mais ça saigne un peu. La guine, il dit que ça fasse moi terme qu'on a ton. Amen. Dis à ton voisin, accepte que ça saigne. Accepte que ça saigne. Ça va se cicatriser. Ça va se cicatriser. Libère ton Ismaël. Adieu l'Ismaël Wako. Merci. Amen. Merci. C'est merveilleux, mes amis. Il a quoi ma diable faire ma paix droit. Dieu promet à Abraham un fils. Vous voilà qu'à Abraham porte moi là. À travers Sarah. Ou pitié Sarah. Les années passent. L'enfant ne vient pas. 10 ans après leur installation à Cana. Sarah pousse Abraham. D'aller vers sa servante. Il se nommait Agar. Et comme Abraham était dans le besoin, Abraham, il n'avait pas le choix. Il faut faire très attention. Il a dit pour quel parent que ça. Est-ce qu'on peut calmer les enfants là-bas? Il faut faire très attention. Il a dit pour quel parent que ça. Nanzam mena satana bazwaka mutuna point mokota nous en a besoin excessif. Na satan na mungu bala be pas parler plus chaque pour en prendre la voix oui tête moi pour la salle pour encore. Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu ne décide pas seul, il ne choisit pas seul, quelle que soit la brillance de la chose devant laquelle il se trouve. Na ndo pas ndo to mungu asitakwa ke yeye mwenyewe asitakwa kufanya mambo yeye mwenyewe atakwa kitu na meleka. Allô? Allô? Très important. Y a oui, ma femme. La Bible dit ceci. Bible dit que l'enfant ne venait pas. Vous pensez par quoi on a qu'à Abuja? Mais Sarah va proposer. Sarah qui est à communauté. Vous savez, le diable à un certain moment, il est riche en proposition. On a dû avoir 4 mois chez Tani. Et quand on t'a dit ça, on proposer. C'est pourquoi la Bible dit que donc, votre oui soit oui, que votre non soit non. Non, toi, pas dire que la semaine, Dieu ne va pas. Ou tu es chaud ou tu es froid. Voilà où tu es tiède, Dieu va te vomir. Amen. Amen. Je vais te poser une question. Qui te pousse? Abraham en soi. Abraham ne pouvait pas prendre une telle décision. D'aller avec sa serre, sa bande. Il n'a pas de poussée dans la bonne. Non, à part en soi, il attendait la promesse. Alors tu m'as hâte, il attendait Isaac. Alors tu m'as Isaac, le fils de son rêve. Où la quoi, mon père d'abord dans l'autre qui l'a fait la carte. Il n'a jamais rêvé. Assis à Wazia Katamwe. Aller avec la serpente. Assis dans la carte, à part jamais. Katamwe. Mais cette pensée là, il est loin son père. Il est venu de Sarah. Il tombe par Sarah. Qui est ce Sarah là à côté de nous? Ni Sarah, t'as roulé mon péché. Qui te pousse? Et quoi, la vous trouvez ma foi dans le Amen. A briser ta communion avec le Seigneur. Vous êtes aussi à la voix de l'amour. Qui te pousse? Et quoi, la vous trouvez ma foi? Diminuer ta consécration. Ou pas ta pousse à quoi? À toi, à qui te pousse? Où est-ce que la vous trouvez? À réduire ton zèle dans l'œuvre de Dieu. Ou pas ta pousse à pitié à quoi le Seigneur l'amour? Sarah l'a poussé. Sarah l'a poussé. Pose encore la question à ton voisin, qui te pousse? Qui te pousse, mon frère, ma sœur? Et en te poussant, il te dit faire quoi? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Regarde-lui encore dans les yeux. Qui t'a poussé à prendre la décision que tu as prise dans ces temps-là? Parce que nos choix et nos décisions gouvernent nos vies. Allô? Allô? Nos choix là, il et nos décisions gouvernent nos vies. Amen. Ne prenez pas les décisions par émotion. Ou si même ne faites pas des choses
parce qu'on t'a poussé à faire. Aujourd'hui, tu te retrouves dans la fossée. Dans le village de si je savais. Tu t'as poussé à prendre cette décision. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible déclare. Abraham est allé avec sa servante. Abraham allait dans la cuisine et ils ont eu un fils. Manapatamwana, qui se nommait Ismaël. Où les balaïta Ismaël. Et le mot hébreu qui est derrière Ismaël. Nadia et Brenda quoi du mal Ismaël. Je l'ai demandé à Dieu. Il mouloba kwa Mungu. Je l'ai demandé à Dieu. Il mouloba. Ismaël est venu. Ismaël a la zalika. Et quelques temps après, Dieu va visiter la famille d'Abraham. Le vrai fils est venu. Ismaël était fils. Il avait le sang d'Abraham. Mais il n'était pas fils de la promesse. Dis à ton promesse, dis à ton voisin, attends ce que Dieu t'a dit. Attends ce que Dieu t'a dit. C'est la dimension qui te manque. Il n'a pas la poêle la cause à tu jeûnes beaucoup, tu pries beaucoup. Tu sers Dieu. Mais il y a une dimension qui te manque. Savoir attendre. Dis à ton voisin, attends encore. Attends encore. Ne décide pas vite. Ne décide pas vite. Sinon tu vas regretter. Sinon tu vas regretter. Attends encore. Attends encore. Malgré que tout le monde a dit. Attends encore. Le monde dit la voix de la majorité c'est la voix de Dieu. Mais la Bible contredit cette vérité. Tout le monde peut dire des choses. Mais ça ne peut pas être forcément la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est qui Ismaël? Ismaël il est là. C'est toute décision que tu as prise dans la volonté permissive de Dieu. Parce qu'en matière de la volonté de Dieu, ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu, qui est, qui n'est pas toujours succulent, mais aussi la volonté permissif de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne veut pas quelque chose. Amen. Mais tu le forces à accepter. Oh Dieu, si tu n'agis pas, je vais arrêter d'être serviteur. Si tu ne fais pas quelque chose, c'est ta honte. C'est quelque chose. Tu forces Dieu. Pour ne pas te perdre. Je dis vas-y alors. Vous connaissez l'histoire de Balaam, non? Mon adjoint il a dit à Balaam. Allô? Allô? Dieu lui a interdit d'aller. Mais il est allé par force. Connaissez l'histoire? Mon ami, l'ange du Seigneur l'a résisté. J'attends que quelqu'un dise amen. Amen. Isaac est venu enfin. Isaac a la couille dans la salita. Quand il a grandi, la komala. La Bible dit Abraham a fait un festin. Bible la tema. Abraham a katunga karamu. En son honneur. Wa esima ya. Je vais ouvrir une parenthèse et fermer rapidement. Il a fait la fumla kabo la nifunga la karaka. Dis à ton voisin. Abia jira loapo. Attends. Attends. Tu as la grâce de Dieu. On a. Tu as la grâce de Dieu. Tu as déjà le ministère. Tu as déjà le ministère. Attends. Attends. Papa verra, papa taora, et il organisera un festival à ton honneur. Et il va te bénir. J'attends quelqu'un dire amen. Amen. C'est le père qui organise le festin pour le fils. C'est pas toi-même le fils. Tu commences à t'organiser toi-même des festins. Tu commences à circuler là. Dans les maisons des gens. Moi je suis prophète. Tu sais pas ces derniers temps. Dans ma prophétie, il rappelle. Je suis prophète. N'organise pas le festin. Ça c'est un domaine du Père. Allô. Je rentre dans ce que je disais. Pour son fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Ismaël était à côté. Ismaël a quoi bébé? Il a ri. En a tchèque. Pourquoi? Tu as ri. Le cœur. Moi, il a été un peu était mauvais. Il est quoi mon père? Il a ri. En a tchèque. Dans la version Louis II, on dit d'ailleurs, Louis II, Sarah
Sarah. Vit rire le fils d'Agar. Akaona mwana wa Agar akacheka. J'aime la version Luther, on dit. Nina pendaka le fronte na sema. Sarah vit se moquer. Na Sarah kaona vile wakaanza kumchekelea. Il a vu Ismaël se moquer d'Isaac. Anaona vile Ismaël anachekelea Isaac. Et dans la version française courant, on dit, dans la version courant, français courant, Sarah a vu Sarah Kaola, Ismaël, Ismaël en train de jouer d'une mauvaise manière avec son fils. Amen. Et la version parole vivante dit ceci. La parole vivante pour la Sema, il dit. Sarah a vu Sarah Riona, que Ismaël, il a pas Ismaël s'amuser à quoi qu'on a tient avec Isaac, la Isaaca, mais sous forme de dédain. Ok? Yes. Sous forme de dédain. Maintenant Sarah, la dit Sarah, avec la clairvoyance prophétique. N'a dit à quoi dans le honneur à un habit. Quand il a vu l'attitude d'Ismaël, l'onction prophétique a agi en lui. Alors que la foi passée, elle a conduit son mari en erreur. Mais Dieu passera toujours, parce que même Sarah là, pour corriger cette erreur. Je prophétise ce soir que Dieu utilise quelqu'un. Que Dieu utilise un Sarah. C'est ça le Dieu que nous prêchons. C'est ça le Dieu en qui nous avons cru. Sarah a vu. Dieu lui a ouvert les yeux. Il est plus que jamais temps de dire à ton mari, vite, vite de libérer Ismaël. Plus on les gardera, il sera une pierre d'achoppement pour vous. Vous devez libérer Ismaël. Dis à ton voisin, libère Ismaël. Libère Ismaël. N'attendez plus. Ou si tout est il y a deux ans, il y a trois ans passés, ou la première tata que vous pitez, j'ai rendu ministère à un grand catcher. N'a mis les dames à Idia, mon catcher noir bonnet. Qui s'est nommé Zombie. Vous voulez voir comment il a Zombie. Mettez la machette ici. Alors quoi qu'on a tout ça. Il traversait de l'autre côté. Pitez qui fait. Il s'est métamorphosé. Alors quoi qu'on a donné ce qu'il a. Quand je l'ai tiré, il disait, pasteur, là, j'ai laissé une autre moi dans la maison. Il n'a pas terminé. C'est lui qui mettait la machette là. Où la quoi qu'on a c'est pas moi. Avec quoi il n'y a pas. Il a travaillé 25 ans avec Satan. À la tenue 25 ans à Satan. Il était la bras droit, le bras droit de Lucifer. À lui a connu un coup mais à Satan. Il a juré. Il a pas. Et après sa mort, il ira en enfer. Attends, qui cette fois qu'a tenté et l'amour de Dieu l'a rattrapé. Après, il a même vous qui me suivez par le moyen de réseaux sociaux. Attends, vous me faites ma main vous pitié. Laissez-moi vous dire. Attends, mais je suis vous aime tel que vous êtes. Yes, vous avez une paix à part de lui votre vie. Vous me prêtez ma chère. Et vous condamnera jamais. Il va vous racheter, il va vous purifier, il va vous justifier. Qu'est-ce qui s'est passé? La chose que j'ai remarquée auprès de cet homme, malgré le temps qu'il a mis dans les œuvres des ténèbres, sa délivrance n'a duré que deux semaines. Et aujourd'hui, c'est un prédicateur de l'évangile. Il n'a que trois ans dans la foi. Maintenant, je vais te poser la question. Dis au voisin, toi tu as déjà combien de temps? On n'a pas combien de temps dans l'esprit. Et lui-même a pressé pour sa délivrance. Il n'a pas de pasteur. J'ai confessé des choses. Il a dit, mais on doit aller dans ma maison. On n'a pas j'ai encore des histoires. On a pris pour les nègres à sortir. Il j'ai encore des Ismaël. N'a pas de Ismaël à sortir. Mais il n'a pas de patoche. Dis à ton voisin, ce que tu caches, te détruit. Ce que tu caches, te détruit.
Amen. Dis-lui encore ce que tu caches te détruit. Ce que tu caches te détruit. Quand tu vas le libérer. Quand tu vas le libérer. C'est ça l'Ismaël ton pasteur parle. C'est ça l'Ismaël qui est le pasteur. Quand tu vas le libérer. Quand tu vas le libérer. Ton âme sera guérie. Amen. Tu auras la paix. Amen. Et tu prospéreras. Amen. Yes. Nous sommes allés dans sa maison. Élie a invoqué le feu. Mais ce jour-là, j'ai vu un feu du ciel. Il a brûlé ses cercueils. Tu pouvais entrer dans les cercueils. On l'enterre. Après quelques temps, il sort. Très mystique. Plusieurs démons dans le corps. Mais quand il a libéré son Ismaël, l'éliminant c'était facile. J'en ai fait même tout un séminaire à l'église. J'ai dit aux gens, Libère ton Ismaël. Attire Ismaël à quoi? Arrête de souffrir le pasteur. Aujourd'hui, on attendait 2, 3, 4 ou 5 personnes. Les autres, on va tout pour les recevoir. Tu as pas une seule personne est venue. J'ai dit à mon frère, rentrons. Pour nous dire. Parce que celui qui a prêt de libérer son Ismaël, c'est lui qui va chercher Dieu. C'est lui qui va chercher les hommes. On ne peut pas se poumoner ici. Les paramètres volontaires d'activer. Je sais que tu étais là depuis 38 ans. Veux-tu être guéri? Et moi, la petite connexion, Jésus était Dieu, il pouvait venir. Il dit directement, lève-toi, mais il n'a pas fait ça. Parce qu'il sait, cet homme-là avait un Ismaël à libérer. Tant qu'il n'avait pas encore libéré Ismaël, l'onction allait échouer. Pas ah oui! Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth. Il y a tout ça pour les petits amis de Nazareth. Parce que Nazareth ne voulait pas libérer Ismaël. Parce que Nazareth n'a pas tout ça mané dans mon père et moi. Ah oui, Dieu. Il y a des choses où la vie a pris que tu dois libérer. Il n'y a pas de poussée à la vie. Il y a la délivrance où ceci n'a pas la limite. Na ou fournir une agence de Romi à tout. Pas la prière. À part la voix des jeunes. À part la foule à tout. Pardon, c'est pour la Romi à tout. C'est parti. Maman, elle est là. Un jour, on priait pour une sœur. Tu commences à te faire un bien dans mon diable. Dans ma juillet, ma fille a dit maman le tient. Dis à ton voisin, pardonne, libère ton Ismaël. Libère Ismaël, ouais. Ton Ismaël peut être le pardon. Ismaël est famille ou Rouma. Tu n'as pas besoin de longue prière. Quoi, il t'a dit, amen. Amen. Libère.
symbolise Ismaël. Premièrement, l'Ismaël symbolise l'impatience et la volonté permissive. Tu n'as pas été patient. Tu as forcé Dieu à accepter ce que toi tu voulais. Voilà pourquoi tu vis avec Ismaël. Amen. Deuxième des choses. Qui tu capilles? L'Ismaël, c'est l'image de tout ce qui est avec nous. Il a pas de pitié à bord par rapport à Sisi. Tout ce qui est avec nous. Tout ce qui est en nous. Merci. Mais qui travaille contre nous? La qui nous a trouvé qu'à tuer. Tout ce qui est avec toi. Tout ce qui est en toi. Mais qui travaille contre toi? Il a trouvé qu'à tuer tout pin pin de yabo. Apôtre Paul. Années de son ministère, il a senti des Ismaël. Romains 7 verset 22, il dit ceci: le mal que je ne veux pas faire, c'est que je me retrouve en train de faire. Mais les bonnes choses que je désire, je ressens dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me pousse à faire des choses que je ne fais pas. C'est ça l'action d'Ismaël. Quand tu ne vas pas le libérer, il va rester en toi, mais il travaillera contre toi, contre ta destinée, contre les plans de Dieu dans votre vie. Amen. Dis à ton voisin, libère ton Ismaël. Libère ton Ismaël. Troisièmement, Ismaël, c'est tout ce qui étouffe les vrais nous. Na Ismaël wa biakwe, Ismaël ya tatu, ni ule kona jimisha, ule kona jima, bilu na kwa zisi ya biakwe. Amen. Le vrai nous. Ule wa tu chie ba biakwe. Parce que la présence d'Ismaël à côté d'Isaac, parce que la présence d'Ismaël pembe de Isaac, il allait étouffer Isaac. Alors on a mou jimisha, ule kona tout. Et Sarah a vu ça. Sarah ya rola ile. Dès le passage. Tandia me abat, elle pense que la présence d'Ismaël, c'est tous ces talibans qui créent des désordres dans le Proche-Orient. Heureusement, Sarah les aurait chassés à temps. Amen. Amen. Mais si Ismaël aurait grandi à côté d'Isaac, il allait tuer Isaac. Il allait tuer Isaac. Dis à ton voisin. Amen. Dis à ton voisin. Mon père m'a dit que je et je comme une naïveté. Ah, Roya Konzuri, il a été en train de faire quoi mon fils? Ah oui. Yes. Yosama Kamsun Zamba l'accent en auto. Si tu seras là mercredi, tu entendras des choses.